Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, jeudi c'est 23 janvier 2021. C'est un plaisir pour nous, une autre fois, pour nous bienvenue dans un autre épisode Chita Causé. Et pas oublier d'abonner à la page YouTube là tout pour capable toujours joindre l'autre épisode sur téléphone. Donc jeudi dans l'épisode ça, nous allons parler de élection et référendum constitutionnel. Que nous connaissons que le président lui-même, c'est agenda ça que li gagne pour année. Donc, nous gagnons autorité ensemble avec nous. C'est un ami programme, non? C'est ingénieur Mathias Pierre, ministre Mathias Pierre, qui est ministre délégué auprès du premier ministre, responsable des affaires électorales. Donc, avec M. Pierre, nous pourrons aller garder les questions. Référendum non avec élection yo que gouvernement lui-même li vle fè année ça. Donc ministre Pierre, c'est un plaisir pour nous capable gagner ensemble avec nous qui joye. Eh bien, un plaisir, c'est un plaisir pour moi pour m'avoir et merci d'être invité dans l'émission hein? Et m'a profiter pour saluer tout auditeur auditrice et capable tendre captant des émissions hein? Et certainement et tout internaute et cap bien pour tendre émission sur internet. Ingénieur Pierre, ou c'est ministre et délégué auprès du premier ministre responsable des affaires électorales. Est-ce qu'on peut parler nous de poste ça en général qui principale et mission ou bien qui responsabilité qui marché à qui on poste comme ça? En tant que gouvernement, et très souvent ça arrive que yo me chercher ou encore, yon met un monde, yon sort, sa wile yon ministre délégué. Et ministre délégué, algen doit déléguer auprès du premier ministre, ou bien le cas délégué tout auprès de yon ministre. Wol moun sa, c'est capable de gagner yon responsabilité qui gagne en dans le gouvernement, que yon va chercher yon spécialité qui est capable d'accomplir émission ça. Et dans ce sens-là, yo rele moun sa et yo bali et m'da ka rele grade de ministre, mais li gagne responsabilité spécifique ça. Et dans ka et pas nous, n'a parlé là, n'a parlé de ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Donc il gagne deux gros volets là-dedans. Tout bagay qui gagne rapport avec élection. Certainement élection en parti politique yo c'est yo qui pilier démocratie là donc yo c'est maman nan élection mais et bon et décision qui te prend pour que tu accentuer sous relation avec parti politique yo, parce que yo pensais que parti politique yo pral gen un gros rôle pour jouer en dans processus là pendant année 2021. OK, d'accord. Donc me pense ça et job ça qu'on gagne pour moi même c'est une pi. Bon, c'est un job qui est difficile pour moi dans le pays ça parce que en pile mon a demandé tête yo qui gens que ou pral fait convaincre et opposition pour yo participer dans un processus électoral alors que il a revendiqué départ président qui processus qu'on pral mettre en pied pour convaincre yo pour participer dans l'élection. Bon, moi-même moi toujours dit et m'a commencé puisque m'a parlé avec un public qui vit aux États-Unis. Et qui va le comprendre rapidement, ça m'a dit. Les Trump gagne l'élection en 2016, il y a quelques manifestations qui ont commencé dans le bail démocratie. Ensuite, nous avons eu la parole pour l'autre tournure en 2018, côté que nous avons fait ça, nous avons un impeachment, côté que c'est ça, nous avons une inculpation, nous avons accusé le président dans la Chambre des députés et le Congrès, nous avons fini accusé, nous avons voté. Et c'est comme si yo t'arrête un monde et puis yo mette le dans prison là dans tribunal dans sénat et yo a quitté le donc li vinn pas gain problème encore c'est vrai que il était inculpé mais li et toute charge que te gain contre li sénat rejeté le comme tribunal puisque sénateur c'est jury et juge au suprême qui dans charge là c'est le juge. Et les nèg yo ça nèg yo dit bon puisque nous pas jeter Trump nan niveau ça nous pral mobiliser force nous pral rassembler tout le monde pour que c'est votre peuple là qui mette le dehors et dans sens ça nous pral voir que toute mobilisation qui faite et malgré que des gain plus que 20
candidat et démocrate, mais bon côté crisé, ils font alliance, ils font coalition derrière Joe Biden, et malgré que Trump est fort, il fait 75 millions de votes, c'est la première fois aux États-Unis, il y a 150 millions de monde plus qui votaient, mm-hmm. les démocrates ont fait 82 millions de votes, et c'est votre peuple-là qui effectivement mettait Trump dehors dans l'élection. Pour me dire que, quand il est fort qu'il fait et pour jeter ou renverser Jovenel Moïse, et faut continuer, pays l'or, etc. Mais je dis un peuple fatigué, peuple en souffri, et tout le monde pas à l'école, tout le monde perturbé. Et nous connaissons l'histoire ça dans le pays d'Haïti depuis 1987. Et c'est pour ça que je dis, la solution qui peut permettre de sortir de ça, c'est l'élection. L'élection, pour moi, c'est un pont qui peut mener nous à la stabilité, c'est un pont qui peut mener nous à la paix, c'est un pont qui peut mener nous à la sécurité, parce que c'est lui-même qui bat le peuple là, à partir de bulletin vote là, qui bat le pouvoir pour choisir qui nous voulait diriger. Je pense que je dis, hein, renverser un président qui est élu, qui gagne un mandat, côté 2-3 grands nègres, chita n'importe où, et puis ils décident de qui nègres nous prennent le président, je pense que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est bail peuple là qui a le pouvoir ça en dans élection côté chaque nèg qui veut le président al vann peuple là ça yo penser qui doit bon pour pays à qui ka changer pays à et peuple là lui-même avec bulletin vote il y a vous vote là il va décider qui moun qu'il veut diriger et c'est pour ça que nous encourager tout le monde et c'est pour ça moi-même moi rentrer dans bagarre ça parce que moi convaincu que nous pas ka gon pays côté que nous gon président qui fait 5 ans nous essayé jeter le pendant 5 ans nous font transition, ensuite nous font l'autre président éventuellement après transition à 5 ans, nous essayons de jeter l'encore, et puis ainsi de suite. Nous pas qu'à continuer comme ça, je pense que faut que nous rentrer dans une dynamique côté que yon président élu ou mettre ma tête là, pas pouvoir à un autre président élu, et c'est comme ça pour le faire. Jovenel Moïse, nous goumè avec lui, tout le monde connaît dans quel niveau que m'ta goumè avec lui, l'homme te courir des candidats qui en facile, moi-même, moi pas capable comme candidat m'te désister. Pendant 2 ans, nous goumè avec lui. Li gagne l'élection, hein? Eh bien, s'il gagne, quitte le fait mandat 5 ans là, et puis après 5 ans, n'al goumè pour nous aller dans l'élection, puisque lui-même n'est pas qu'à candidat encore. Ça veut dire que pour que bon, l'autre monde qui est élu, et c'est le peuple là qui prend la décision ça. Ok, d'accord. Donc, oui, il est toujours bon pour nous gagner l'élection, j'en tape dia, côté pour nous mettre institution au campé, et puis ça kaba nous stabilité politique tout. Mais l'histoire montre nous que il est toujours plus bon les que et tout le monde d'accord pour y aller dans l'élection. Parce que si plus fort monde pas d'accord, ça qui peut passer, c'est que ou gagner l'élection, mais l'élection a venu contester, et puis nous pouvons perdre l'autre 5 ans encore dans instabilité, manifestation, vle pas vle faut aller. Est-ce qu'elle va ta pissage et pour nous ta prioriser en dit un dialogue pour nous joindre un consensus avant et parce que nous songeons qu'en 2015 c'est à partir de un accord qui te permet que élection au fait et élection côté participer là-dedans donc et est-ce qu'elle va ta pissage dans moment ça là pour nous pour gouvernement ta prioriser un dialogue national bon mon cher vous dit là mettre des haïtien chita son table on garantit tout. Je ne vais pas mettre d'accord sur un bagage. Certainement, nous encourager. Le président, pendant longtemps, a fait effort pour que il y ait un dialogue. Il y ait un effort qu'il a fait. Moi, encourager et moi, souhaiter que le président continue à faire. Et lui dit, il continue au verbal, qu'il a fait effort pour qu'il y ait un dialogue. Mais élections sont processus qui prend temps. Élections sont processus qui m'a des préparations. Élections sont processus qui, d'ailleurs, n'ont pas même une capacité comme peuple. Pour nous faire élection nous-mêmes, c'est avec un système Nations Unies qui toujours aide nous techniquement qui pourrait organiser l'élection. Si l'élection n'a pas commencé à préparer, je vous dis, moi-même, je vais expliquer un bagage pour nous comprendre. Le président en Haïti dans la Constitution 87 amendée, pendant 4 premières années, ça veut dire que l'arrivée jusqu'au 7 février 2021, pendant 4 ans, ça, si un problème, président un problème, ça aurait donc vacances présidentielles, c'est le premier ministre et son gouvernement qui assurent la transition de 120 jours pour organiser les élections. Selon la constitution amendée.
concerne Mendel. Ça veut dire, je vous dis, jusqu'au 7 février 2021, c'est le premier ministre, en tête gouvernement, hein, avec le reste membre du gouvernement, qui a fait l'élection. Si, entre 2021, 7 février 2021, 7 février 2022, en vacances présidentielles, c'est le Parlement qui doit se réunir en Assemblée nationale pour élire un président de la République. Vous voulez nous imaginer pour nous comprendre un bagage. En imaginant pas gain élection, ça veut dire que pas gain Parlement. En imaginant le 7 février 2022, mandat président Jovenel Moïse fini. L'app qui te parle là, qui, comment, ou va joindre Jean-Noutambi, ça qui a passé de roi en Haïti. Qui est-ce qui prend le président d'Haïti? Est-ce que je vous dis de manière responsable? Nous arrivons dans une situation côté nous la guépé, il y a un côté que nous ne connaissons pas, non, non, Kabouyaï, qui Jean et qui est-ce qui est président? Je vous rappelle que, malgré tes grands accords en 2015, si nous songeons, tes élections députés, mais législatives, tes bon parti là-dedans, tes fait, reste élection à tes gâtés. Et joue moi t'ai dit t'as quitté Cléa t'as quitté en bas porte là, ok, et c'est resté député accédateur qui l'a eu, c'est eux même qui t'a organisé en élection qui fait que t'es gon président provisoire. Je vous dis, nous pas même dans situation ça, donc il y a seulement 10 sénateurs, donc il n'y a pas d'assemblée nationale, le Sénat est dysfonctionnel, la Chambre des députés est dysfonctionnelle, ça veut dire que nous de manière responsable. Moi, je pense que, et c'est ça que fait d'ailleurs, moi, accepter responsabilité ça dans mes présidents, avec le premier ministre, ça fait confiance pour me faire dire, à savoir que nous devons faire élection, faut qu'on devons faire élection, faut que nous parler avec tout le monde, et certainement, parler avec tout le monde, j'avais dit que les partenaires internationaux, à savoir les Nations Unies, à savoir les États-Unis d'Amérique, la France et l'Union Européenne, sans compter les autres pays amis d'Haïti, le Canada et autres, Yo même tout. Yo vle que gen élection dans pays. Yo ta remè que gen élection dans pays. Et moi pense que les préparatifs pour élection. Pas bien que élection c'est septembre, ça veut dire qu'en pile temps encore pour faire quoi. Technicité, technique, matériel sensible pour commander, pour yo préparer, pour faire élection yo, côté yo pral commander, yo pour venir en Haïti, c'est des bagages qui prend temps. Ça veut dire que sous pas commencer à préparer l'élection ou pas qu'à faire l'élection ni dans 2 mois ni dans 3 mois dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que faut qu'on prépare techniquement pendant que le dialogue a continué pour nous joindre en tête. Parce qu'il y en a pas qui vivent. Pourquoi ça, mon Dieu, les transitions tout le temps? C'est parce que nèg a toujours quoi, nèg qui est au pouvoir, si c'est lui qui fait l'élection, il pourra le financer. Il y a 11 000, il y a un membre dans l'équipe pour venir président. Parce que c'est lui qui a l'État dans le donc c'est lui qui a un cop dans le. Dans la tête, leur transition, ça veut dire que tout le monde mettait le monde dans le pouvoir, donc il y aura un moyen pour 20 moyens pour financer l'élection. Parce que vous pensez que si il y a une élection avec le président aujourd'hui, il n'y a pas besoin de quoi pour être capable de financer tête dans l'élection. Parce que il n'y a pas de travail pour construire un parti politique, il n'y a pas de travail pour convaincre la population dans le programme côté population, j'en ai les États-Unis, il y a pas de leader au COP, il y a pas de parti au COP pour que l'élection puisse aller dans l'élection. Ok? Eh bien, je veux dire, c'est comme ça, nous, le pays. Donc, je veux dire, qui ça, moi-même, moi, qu'a dit? C'est que, dans un compte, moi, jeudi dernier, le président rencontre avec Mlidim, la bonne responsabilité, ça, premier bail, Mlidim, moi, pas gain candidat. Quel que soit le monde qui est candidat, qui a le président, qui est le président, qui convainc le peuple, moi, pas gain candidat. Ça, c'est premier bail. Mlidim, que le temps de l'élection est faite libre, et le temps de l'élection honnête, le démocratique, il n'y a pas d'influence. Je dis, président, si c'est ça, en avance, moi-même, moi, pense que techniquement, par rapport à l'expérience PAM, nous sommes capables de construire pour ça. Nous sommes capables de mettre main pour nous construire pour ça, qui pour, et c'est l'élection. Et l'élection, et c'est yo qui pour mener nous dans la paix, c'est yo qui pour mener nous dans la stabilité, parce que demain matin, nous ne sommes pas capables de laguer le pays, et puis nous ne sommes pas dans qui loi, dans qui système, nous allons décider qui est le président. Il y en a qui dit que nous sommes dans l'opposition pour le président. Il y en a qui dit que nous sommes juges pour le président. Il y a 9 juges dans le cours de cassation.
tout juge a un même président. Il y en a qui disent que c'est peut-être un sénateur pour président. Il y en a 10 sénateurs. Côté président d'Haïti a sorti, si pas une élection, et qui doit que nous gagnons pour nous retirer le pouvoir ça que la Constitution 87 a baillé peuple là, démocratie a baillé peuple là, pour que c'est lui-même avec un bulletin de vote qui choisit le monde qu'il veut qui président pays. Ok, d'accord. Donc, et Kounia, président voulait faire élection à Nisa, mais il dit faut que réforme constitutionnelle la fête avant. Et les m'a regardé vidéo archive 1987, moi qui j'en que. Changement constitution, c'était une affaire pays, côté tout le monde participer là-dedans. Par exemple, où est tout le monde engagé, il y a un débat professionnel, paysan, tout le monde a parlé, tout le monde a ba opinion sur la constitution. Je ne dis pas que nous avons un processus changement constitution, je ne sais pas où est ça. Et pour moi-même, Jean Bagayoko qui a viré là, c'est que et peut-être on nous dit que si par exemple, sur 6 millions de monde, et ou capable joindre 500 000 seulement qui a participé dans le référendum. Nan. Donc, est-ce que vous-même personnellement, si un référendum t'a fait côté ces 500 000 personnes sur 6 millions qui a participé, est-ce que vous avez un processus là représentatif et crédible? Est-ce que vous pensez que la possible pour aller dans l'élection en bas une constitution comme ça? Bon, c'est que sous question de constitution, il y a un comité qui est président et commissionné qui est même qui travaille sur la question constitutionnelle. Deuxième bagaille, moi pense que je vous dis qu'il y a un pile effort qui a fait pour que dans le référendum qui est prévu dans le calendrier électoral pour 25 avril qui a vu là, parce que en une disposition qui a pris au niveau carte électorale et carte d'identification nationale qui permet à mon droit pour voter, dans tout niveau, je pense qu'il y a des efforts qui a fait. Donc, ce n'est pas un gros souci. Je vous dis, hein, moi pense que en nous quitter équipe qui a travaillé sur ça, travaille sur lui, mais ça moi-même moi qu'a dit. C'est que peuple là, c'est lui qui a bien pour le décider dans la question constitution parce que plusieurs enquêtes qui fait montrer que majorité population a dit livrer une nouvelle constitution d'ailleurs ou même opposition qui puis m'a dit dur là ou après que dans langage lui le projet que rien il dit il veut refaire constitution. Ça veut dire que tout le monde veut refaire constitution. Maintenant, comme ce peuple là cap gain pour décider, moi-même dans le travail que m'ai pour me faire sur question élection, président dit deux bagages. Si peuple là dit oui, livrer nouvelle constitution, hein, élection a fait sous égide nouvelle constitution. Si peuple a dit non à nouvelle constitution, hein, élection a fait sous obligatoirement et quand même sous constitution et 87 amendée. En d'autres termes, processus qui pour permettre nous faire élection li enclenché, bagay qui pour mettre en place qui pour permettre élection en fait li enclenché. Maintenant, je vous dis qui ça qui est plus important, hein, c'est et permettre que c'était ça président et de dit que l'a fait. Donc on y est et parce que c'est quitter peuple là décider sur orientation et quitter équipe qui travaille sur question constitution elle-même li avancer sur question ça. Mais nous-mêmes job pas nous c'est travail question élection yo préparer question élection yo faciliter et créer environnement travail avec différents partenaires faciliter travail CEPA qui lui-même responsable de questions organisation élection yo pour que élection yo faite et puis peuple a lui-même li décider de destin peuple a li décider de l'avenir à partir de bulletin de vote. Oui mais ministre j'aime t'ab dire et si que c'est 10% moun seulement qui levé y a bay position ou sous constitution hein? Est-ce que ça les mêmes sont crédible pas capable prononcer sous en supposition. Moi pense que faut nous quitter peut-être processus la fête, faut que enclencher et puis moi rappeler un élément. En 1987, t'ai gagné toute une campagne qui t'a fait contre constitution 1987. Tout le monde qui pense Père Aristide qui pral le premier président élu sur constitution, t'es contre constitution. Qui ça qui fait constitution voter? C'était que
article 291, Makout Palade. Et c'est vague ça qui te fait peuple là à voter constitution 1987 là. Et vous pouvez le voir, hein, même les gens qui n'ont pas d'accord dans le moment, dans la période là, avec la constitution, ils ont été candidat et ils ont été président sous constitution. Donc je vous dis, hein, et je pense que, en nous quittant le processus la fête, en nous quittant les gens qui travaillent sous lui, avancer sous lui, en nous quittant que le peuple lui-même lui décide à partir de 2020, moi-même, dans l'intimation PAM, dans la responsabilité PAM, c'est travail pour que nous rendions l'élection possible, au service de pont, pour que l'élection au service d'un pont, vers la stabilité, vers le progrès, vers la paix, parce que Haïti, je vous dis, on ne peut pas comprendre à quel niveau nous sommes bouqués. Si nous ne pas à l'école, autant de kidnapping de tous côtés, autant d'insécurité, autant de gangs. C'est vrai que chef la police a grand l'effort qu'il a fait pour démanteler, mais la Haïtien fatigué, je vous dis, hein, et nous avons besoin de stabilité, et nous pensons que élection c'est le cas du pont pour nous arriver à stabilité. Ok, d'accord, ministre Pierre. Nous prenons le fini, mais la dernière question, c'est au point de vue logistique, par exemple, et diaspora lui-même, nous connaissons que dans la constitution tout neuf a préparé, vous voulez faire participation diaspora tout neuf en réalité. Est-ce que au point de vue logistique, il y a des moyens pour diaspora participer dans le référendum et dans l'élection? Bon, parce que dans pas bien que là après une semaine et nous parce que dans jour cap vinio et n'a bien plus d'informations qui pour nous capable fournir sous question ça yo, mais moi pense que et jodi an et diaspora qui à l'extérieur là, jodi a c'est lui-même que n'a parlé. Parce que quel que soit haïtien qui gagnait d'a capable briller un acte de naissance et il capable et fait carte et d'identification nationale, que ce soit ancien, que ce soit nouveau, et automatiquement, il est capable de voter. Maintenant, et c'est pour nous regarder qui infrastructure met en place, qui bon, il pourra permettre de voter. Et je pense que c'est des réflexions peut-être qui déjà a fait dans le niveau conseil électoral. Là, n'a bien pour nous informer et pour nous capable de fournir plus d'informations. Ça, c'est une semaine que moi j'ai un poste là. Donc, nous avons très prochainement pour nous informer sur l'évolution et ce qu'a fait par rapport à la question de l'élection. D'accord, monsieur le ministre. C'est un plaisir pour nous de faire parler ensemble avec vous. Et nous souhaitons bonne chance dans le nouveau poste. Et nous connaissons son travail qui est assez difficile. Et en dernier lieu, est-ce que vous avez un dernier mot pour mon capitaine de Yola? Bon, parce que le message là, je vous dis, hein, c'est que faut que nous souhaitions et faut que nous gommions pour Haïti stable, faut que nous fait passer message ça pour Haïti stable, faut que nous yon bouke goumen yon la clotte, faut que gen des sacrifices qui pou fait pour pays, et me pense que jodi an haïtien nous gen responsabilité ça, et ben responsabilité ça moi crois que nous pas gen droit envie droit à yon moun à un peuple pour que c'est pas lui même qui décide sous ça le quoi destiné avec bulletin de vote li. C'est pas un petit groupe qui peut faire, mais c'est peuple qui peut faire, et pour le faire, c'est l'élection. Donc, il faut que tout ça soit capable. Et c'est engagement, président de la République, là, c'est engagement pour les ministres. Là, et c'est dans ce sens-là que moi, j'ai gagné pour m'aider, accompagner l'équipe et système capable d'organiser l'élection pour que, à travers l'État, tous les moyens, toutes les dispositions sont prises pour faciliter la réussite l'élection. D'accord, voilà. Ministre Pierre, c'est ton plaisir. Les régimes ont tombé, ont tombé, ont tombé, ont tombé. Les rails Babylone ont tombé, ont tombé, ont tombé, ont tombé, ont tombé. Les rails Gans